What's your Michael Gada? What animator? The sec I said this war. Spoiler alert, this war hello parla about the movie soundtrack. The memorable moments to the bow movie. My co-host Eric Tario, Vite Set. Bonsoir et music, bonsoir et conversation. Écoutez, ça va être le fun. Funky T. Ouais, Funky T.
Fa longtemps que le monde t'appelle pas. Ouais, ça c'est nice. Appelle si ça que le monde, de façon. T'as entendu comme t'as une personne de qui t'appelle ça. Ouais, c'est comme. C'est comme la Chris Farley fiasco, ouais. The late 90s. Ah, ouais. Ben. C'était OK au commencement, là. Ouais. Comme... C'est vrai que tu m'as warné, c'est la farce, ça. Ouais, tu m'as warné. Le wise Jedi, ouais, ouais, ouais. Hashtag Jedi Wisdom, là, là. Yeah. Ça va être la suite. Ouais. Non, ben, premier, c'était OK, là. Comme, allions aller bar, puis être famous. Comme. Ouais, yeah. T'as la dalle, right? Tout le monde à Halifax me connaît ça. Comme je rentre dans J.J. Rossi, je lui dis soir pour Wing Night, puis tout le monde qui était là, hey, it's funny! Oh my god. Ça c'était about dans la heyday là, comme tout après ces movies like David Spade, Tommy Boy, Taxi. C'était comme pretty much tout après. Yeah. Mais souvent, c'était super bon. I think you gotta bring this back. Peut-être bon. Peut-être bon, t'as entendu pour un laugh. Holy shnikes! T'as pas le look Astaire avec la barbe là. Non, Astaire est plus le... Le salaud hippie look, tout ça là. Yeah. Ça, ma mère me fait rire. Un jeune John Candy. Ouais. Ma mère, là, comme elle dira comme tout ça là, des remarques, tes antennes là, maintenant elle a passé. Oui, c'est prendre un haircut. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on prend un haircut pour? C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez être beau pour? Rézy avec l'envoi. Rézy avec l'envoi. Ouais, c'est quoi? C'est là. Si on est sur lui, c'est la banane. N'importe quoi, ce qu'a Watcher John avec une barbe des logos. Mais c'est salaud, ça. Ouais. C'est vraiment ça. Mais ça, c'est des meilleurs. Ouais, c'est des meilleurs. C'est all right. Ouais. Ça veut dire qu'à vous, à t'apprécier. Ouais. En tout cas. Ouais, ben, ça veut dire. Ouais, Funky T est back. Ouais, ben, Funky T est back in the show, dans sa présence. Puis, comme, je suis fier de t'avoir. Ouais. Tous les. Comme. Mon show la semaine passée est à Bell. L'écoutez. L'année prochaine, vous l'écoutez. Médiocre comparé à ce que toi t'es ici. Ben, c'est misère à misère par la personne. Ben, exactly. Puis quand ce que toi t'es pas ici, tu ferais comme des teams. C'est la team, la semaine passée, c'était des keyboards? Non. La semaine passée, j'ai fait la première heure de la Canadian Music. Ça, c'est la Canadian Music. La deuxième heure, j'ai fait de la Maritime Music. Moi, souvent, c'était Sloan, puis. Ouais. Puis, on va le faire back parce que. Comme il y a assez de musique qu'on pourra choquer, on peut pas tout le faire dans un cas. Tout en Mad Maze. Ben. On va pas. Comme M. Mad Maze, je suis un Mad Maze fan, puis c'est que Nicole Leblanc écoute. Mad Maze est awesome, mais il y a des meilleurs artistes. Ouais, tu teases avec. Moi, écoutez, j'avais aimé ça que t'avais joué Sloan. T'avais pas joué Coke Smith, t'avais joué. Non, j'avais joué Underwhelmed. Underwhelmed, yeah. She was Underwhelmed. C'est le même album, right? Même album, n'est-ce pas? C'est le même album. Yeah. Twice Removed? C'est leur premier. C'est sur Smeared. C'est leur premier album qui a été sponsoré par David Geffen Music. Ok, le deuxième, c'est. Qu'est-ce que vous avez dit? Smeared? Deuxième, c'est Smeared. Premier, c'est Smeared. Ouais. Il avait eu un EP avant ça qui était appelé. Il avait un comme c'était une cassette là, c'était comme Independent Murder Records, ouais, qui était leur own label. Okay. Puis là après il avait été noticé, ouais. Il avait été sur David Geffen Records, puis il a mis au point la big business, puis il avait été back à Murder Records. Weird. Mais moi, tu m'as introduit à Sloan. Avec la chanson Everything You've Done Wrong. Oui. J'aime ça beaucoup, puis pas que t'es Sloan fan. J'aime ma autobiography, là. Young and Son and Gifted in my autobiography. Oh, il a beaucoup de belles tunes. Yeah, de belles tunes, Sloan. Mais ouais, j'aime beaucoup tout ce show-là. C'est pretty good. Cool. C'est quoi ce qu'il y a de nez dans ton monde? Pas grand chose. Pas la Nicky Thomas de Starship. T'es Warren Vogue. T'as pas un play. Avec Ryan Doucet, là. Ouais, ben, Eric, tu... Rave reviews. Ça va être dans ma tête, comme... Ouais. Si je suis dans le théâtre, je me considère une personne de théâtre. T'es un thespian. Puis, je veux pas dire que le monde me traite différemment, mais à Hamra, ouais. Tu sais, là, comme... Apprécier, c'est comme...
comme dans tous les aspects. Ouais, puis c'est pas un peu. Pourrions t'appeler Sir Hereditario. Comme Patrick Stewart, là, ouais. Star Trek, ouais. Anthony Hopkins. Sir Ian McClellan. Sir Anthony Hopkins. Sir Hereditario. Ouais. C'est ça que je vais t'appeler from now on, quand tu vas sur mon show. Sir, ouais. T'es plus Hereditario, ah, t'es Sir Hereditario. Mais comme Sir Steven Seagal, tu vois, le ministre de l'Homme. Moi, je trouve que ce gars-là est underappreciated, là. As-tu watché Under Siege 2? Ça, c'est un bon movie. Il joue tout un chef, c'est un submarine, même. Puis les terroristes take over le submarine. Un chef qui peut kicker du tu. Oui, yeah. Oh, Steven Seagal, c'est quoi ce qu'il fait, man? Ouais. Un thespien, là. Mais voir lui dans un Shakespearean play. Ça, c'est vrai. There are more things in heaven and earth than I dreamt of in your philosophy. Hiya! Il est pas trop vieux, Esther, pour jouer Hamlet. C'est pas vrai, ouais. Pour aller jouer comme King Lear. King Lear. Hamlet et Hamlet avec Mel Gibson, c'est-il beau? Oui, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, moi qui l'aime. Ouais. Le meilleur Hamlet, une des meilleures Hamlet, c'est avec Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, c'est comme le meilleur Shakespearean acteur. Ouais, yeah. Moi, j'avais aimé dans Harry Potter, parce qu'il avait joué le Defense of the Dark Arts. Ouais. Puis c'était comme, il était vraiment, vraiment full of himself. Puis turns out qu'il peut rien faire. Qui fait beaucoup de stage work et tout. Puis c'est beaucoup un directeur. Mm. Et tu peux être directeur Thor? Oui, directeur Thor. Mon cousin est juste là, watch Thor, il a pas aimé Thor. Il directe beaucoup de movies, yeah. Il fait du théâtre. Il fait des voice work, c'est ça. C'est un very cultured guy. Oui, yeah. Ah, ben, en parlant des movies... C'est comme le Christophe Dahl de Hollywood. Pas mal. Yeah. Ouais, pretty much. Pretty much. Tout fort. Puis <Yeah. laughs> il excelle à tout. Yeah. Ouais. So, c'est quoi le thème pour le soir? Ben, le soir, le thème, c'est des movie soundtracks, des memorable moments de des movie soundtracks. Je comprends pas de ça. Puis, avons du cool stuff on the go de soir, comme hier soir, j'ai watché Django Unchained. Les points vient encore, on va watcher au théâtre, puis les points vient encore. C'est 3 heures, puis c'est beau, hein? Incroyable. Yeah. Friggin' movie. Yeah. On peut dire friggin' person. Ben, moi, je sais pas pourquoi c'est un incroyable friggin' movie, parce que c'est basically moi. Don Johnson est down. Puis tout simplement, c'est moi. Mais pour qu'elle avec Don Johnson, so c'était de Harley Davidson et de Marlboro Man à Django Unchained, well? What? Moi, je connais le watch de Lady Swar Crow. Puis, ils n'ont pas rendu. Oh, non. C'est à cause que. On va t'expliquer un peu, on m'a chauffé d'avoir beaucoup de trip au sud. OK. Puis, Lady Swar était en grande farce. Elle a le watch de Django Unchained. C'est high sur ma liste. Ben. Sir Heavy Lincoln. Django et Next. Il y a un character dans le movie, il ne faut pas y avoir trop de spoiler alerts, mais il y a un character qui s'appelle King. Ça, I gotta know. Il est German. Oh, OK. OK? Yeah. Puis, Stoney Set, c'est à l'égard de King. Ça, c'est Django soundtrack? C'est chanté par la femme qui a chanté les chansons dans les movies Clint Eastwood. Ah! Comment que ça fait? Ella Dorosio. He had a home along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was King. He had a brother, his only brother, a peaceful guy. One day they found him, his shirt was red. Two shiny bullets, they found his brother dead. You can't see King. He had a home along the country.
countryside, I saw him ride. He had a gun.